Ok, gars, we live. We live, we live, we live, we live. Ah, what's up, Twitch? Oh, shit. Il y a même pas de... Il dit what's up, Twitch, alors qu'il n'y a même pas de viewers dans le chat. Mais bon, faut bien commencer quelque part, les gars. Oui ou non? N'est-ce pas? Là, on va commencer. On va regarder la NBA, ce qui s'est passé hier. Il y a eu Minnesota contre. Qu'est-ce qu'on a? Un homme qui charge la 5G. Mais non, je. Il y a eu Minnesota contre Denver. On va quand même vous aider. Denver, ils ont gagné apparemment. Enfin, d'après ce que mon pote il m'a dit. Si Denver, ils ont gagné, la série elle est terminée. Hein. Minnesota, ils avaient pris l'avantage de prendre deux victoires là-bas. Mais c'est fini, frère. C'est mort, gars. Ils pourront pas gagner Game 5. C'est mort. S'ils ont perdu celui-là, ils ont repris l'ascendant. Gros, c'est les champions. Mais là, ce qui me fout le seum, c'est que les gens ils vont commencer à dire ouais, les Timberwolves ils sont meilleurs sans Gobert. Nani, nana. Jalen McDaniels, tough. We got KD, but we got. They got KD. Pull up! J'aime trop son game. J'aime trop son game, les gars. Les gars, j'aime vraiment trop son game. Genre, vraiment, vraiment trop. Genre, vraiment trop son game. Et what? Let's go, hey! Oh, bonne fin. Bonne fin. Trois points, cash money. Ah, dommage. Ça run. Hey, il a 36 dans McConley. Purée, hey, il est. Anthony Dorsey, c'est une dinguerie. On peut pas le garder. C'est le MVP, comme ils disent. Elle est trop athlétique en 2020, c'est une dinguerie. Ah, écoute, ça a le boué. And one. Nasreed. Bam. Il est chaud, Nasreed. Hein. Ils ont bien fait de le prolonger. Hein, parce que... Moi, je pense que les gars les plus underrated des Nuggets, c'est Aaron Gordon et Michael Porter. En fait, ils sont tellement importants dans l'équipe, genre. Genre, les gens, ils oublient ça, genre. Non, pas N1. N1! Oh. Top. Ok, donc le match est serré. Give me la, bon, c'est sûr, ça. Pour le moins. Encore un? Ok. Marcher, wesh. Il est tough. Dans la zone, il est tough. 3 points, cash. Cash, money. Et il fait un gazon, il est chaud de ouf. J'aime trop Aaron Gordon. Il joue simple. Dommage qu'il ne veuille plus faire les concours de dunk. À cause des juges qui carottent là. Qui lui ont volé un concours. Enfin, deux même. Bon, contre Zach LaVine, on va pas dire que c'était volé. Mais l'autre c'était volé. Avec Derrick Jones là, c'était volé là. Ou D-Wendy là. Il a volé clairement. Clairement, frère. Genre, y'a même pas de débat, genre. Il a vraiment volé. 3 points. Ok, Nazuit. Hey! Let's go, Naz! Comment ils mettent la pression sur Jamal Murray, elle laisse même pas respirer. T'es mal la pression. Non, ça c'est Grady. Vous savez quand tu fais une bonne défense comme ça que le mec il marque. Oh là 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 là. C'est tellement relou. À combien de fois je fais des bonnes défenses cette saison et le gars il jette un bullshit. Genre il calcule même pas, il jette la balle, ça rend. Dit oh là 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 là, le chat. Gros, ça rend fou. Quand je dis ça rend fou, ça rend vraiment fou, les gars.
Il est trop buff. Bonne passe. Gros, tu peux pas doubler. Tu peux pas doubler Jokic, gros. Hey! Jokic, il te marre. Putain, on t'est dort, c'est une dinguerie. Elle a NBA, c'est trop d'art. 3 points. Encore. Ouais. Je l'ai mis combien de points là au Tennis Gorf? Je peux pas doubler Jokic. Doubler Jokic, ça sert à rien. Oh, good move. Ah, dommage. Michael Porter. Hey. Ah, ils vont prendre la 61-49. Ouais, non. Non. Oh. Wesh, la dinguerie. Ah, devant la table de score. Devant le commentateur, wesh. Oh, la dinguerie. Ah, ça a tué le match. Tu passes de 61-49 à 60. Non, il y avait combien? 59. Il y avait 59-49. Tu passes avec une paire de balles 61-49. Après un 3 points 64-49. Non, c'est mort. Tu passes de moins 10 à... Enfin, moins 10 avec la possibilité de devenir à moins 8 à finir à moins 15. Ah, non, non. C'est tough. C'est tough. Franchement, c'est tough, tough de ouf. C'est, en plus, ah non, c'est tough. Juste avant la mi-temps. Ah, c'est tough. Au lieu de rentrer à la mi-temps à moins 10, tu rentres à moins 8. Ah, c'est tough. Jamal Murray. Tough. Wesh, mais c'est une dinguerie dans Télévoir. Il a mis combien de 3 points? Je suis dû d'aller voir les stats là. Moi, j'attends la fin du match, mais. C'est trop là! 3 points. Smoke, 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 smoke. Encore un. Bonne passe. Oh là là, le ball movement. Tough. Hey, 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 ref. Hey, Divé. Hey, hey, ref. Hey, ref. Ah, let's go, Gobert. Let's go, Gobert! Eh, mais Gordon, nous, il est en train de les tuer là! 3 points, cash money! Jamal Murray time! Ok, donc c'est un blowout! Goody! Goody, just tough the shot! Wesh, mais il va mettre combien de 3 points? Là, il est au moins à 30 là! Surtout s'il a pas shooté beaucoup de lancers. Ah, ce move là il est inarrêtable. Ah, il peut pas le garder lui. Easy. Oh, non les gars, wesh. Mais c'est une dinguerie comment elle est athlétique, les gars. Ouais. C'est une dinguerie comment elle est athlétique, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il fait. Hein. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait, je crois. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait, les gars. Vous vous rendez pas compte. C'est une dinguerie ce qu'il fait, wesh. Foul! Give me that foul, bro! Oh. Comeback. Comeback de Minnesota, c'est à domicile, hein. Bonne passe, bonne passe. Great, great beau mouvement. Bonne passe. Wesh. Et ouais. Wesh, Gordon, il rate rien, là. Goody. Dedans. Oh, le ghost. Oh, s'il met celui-là, c'est tough. C'est tough pour revenir à moins 10, tough. Mais bon, c'est très bien que Murray va tuer ça. Et Jokic, il est trop skill, c'est une dinguerie. La défense de Jokic, c'est vraiment... c'est vraiment... Vraiment rip protection 0. Hein. Il le pousse dans le dos, là, quand même. Bonne passe.
L'auteur, cash. Wouh! Bonne passe. Wesh. Shoot, frère. Eh, ils vont dire c'est depuis que leur coach il est blessé qu'ils perdent, hein. Ou il est de retour leur coach ou pas? Il fait la faute. Non, c'est, ouais, il est toujours blessé leur coach, ouais. Trop tough, trop tough, trop tough. Eh, s'ils perdent cette série là, Minnesota, ils vont tellement s'en vouloir. Avoir gagné deux matchs à l'extérieur pour perdre ensuite. Oh, goodbye. Non, c'est fini, là, de toute façon, sans presse, sans ça. Goodly, bonne faute. Vas-y, on va passer au match de Knicks. Attendez, vas-y, voir les stats, tu sais. Ouais, 16 sur 25, c'est une dinguerie, 44 points. 41, 78. Gobert, ouais, Gobert, de toute façon, il est là pour la défense, 14 rebonds. Aaron Gordon, 11 sur 12, wesh! Ah ouais. Michael Paul, il a pris que 4 shoots, wesh. Je pense que c'est Aaron Gordon qui a pris tous les shoots. Jokic, qui a sur 26, 35 points, ouais, il a fait son taf. C'est trop bon, cet assist. Kawhi Pope, il a sur 10. Jamal Murray, 19 points, fait son taf aussi. Eh, les fans des Minnesota, je veux pas avoir d'excuses, hein. Pas dire, ouais, c'est parce que... comment dire, il est pas censé il est pas censé jouer comment ça s'appelle, il est pas censé jouer Murray, c'est pour ça qu'on en perd, hein. Pour la pub du Razor Beef, pas d'excuses les mecs, on est sur la précision. Big Hybrid 5 Flex, un voir une disco sur Twitter, c'est rechargeable. Denver, attendez, je vais voir une disco sur Twitter. Denver Nuggets chez Alliance aussi, vous préparez, vous accompagnez jour après jour, c'est notre métier. Alliance, avec vous de A à Z. Ouais, là, ils ont remis une vidéo de Shaq qui dit que il y a 5 jours, il dit que cette série elle est finie. Là. Came for 2, got 2. Ils sont venus pour en avoir 2, ils en ont eu 2. Hey! Je pense que les Knicks. Les Indiana, ils ont de la chance, hein. Ils jouent que des équipes injured. Mais je pense qu'ils vont gagner cette série. Vous savez pourquoi? Parce que Audi il est blessé. Surtout, c'est ça. Ça a peut-être l'air de rien, mais c'est une grosse, grosse pièce de New York. C'est lui qui défend sur les gars et c'est lui qui. Il marquait beaucoup. Il est vraiment efficace et tout. Space the floor, donc. Non, c'est mort. Eh les gars, Arbiton, c'est un joueur que je sais pas pourquoi je le. Je vais pas dire que je le déteste, mais. Je sais pas, j'aime pas son style de games. Genre, j'ai l'impression qu'il parle que quand les choses vont bien. Genre, je sais pas comment s'expliquer, genre. Genre, je sais pas, genre. Quand il fait le truc à Adam Lillard, ça. Genre, je sais pas, genre, je sais pas. Genre, il est trop bizarre, genre. Oh! Ah non, quand les shoots comme ça ils rentrent, tu sais que tu vas perdre, bien. New York ils vont se retuer, c'est sûr. Ah non, là c'est mort. Ah ouais, j'ai mal commencé le match. Ah, ça paye pas ça. Je crois qu'il a pas pris le Thomas. Attends, ouais. J'ai ma connerie. Ah ouais, là c'est mort. Là c'est dead, 8-22, là c'est dead. On the road en plus. Good move. Putain, il est fort, TJ McConnell. Hein. Il est fort, les gars. Il a mis 7 points en 3 minutes. Let's go, DiVincenzo. Bonne passe, bonne passe. C'est mort. C'est mort, gars. Damn. Indiana va vraiment gagner cette série. Oh, be topping. Let's go. Fallait pas me trade. Prove my trade. Ah, fallait pas me trade. Fallait pas me trade. Ah, mais ils l'ont trade pour drafter son frère après.
Mais Obi Toppin, il est chaud. Hein. Après, j'ai vu Tom Thibodeau, il a dit ouais. Non, il savait que c'était un bon joueur, mais c'est juste qu'il est, il est en rotation derrière Julius Randle. Hein, c'est tout, hein. Voilà. Julius Randle, frère. Tu veux que je te dise quoi? Julius Randle, il joue 40 minutes, frère. C'est tout, gros. Tu vois, Tom Thibodeau, il fait beaucoup jouer ses starters et tout. Siakam, c'est vraiment un bon pick-up pour les Pacers. Et ils ont lâché quoi en plus? Je sais même pas s'ils ont lâché grand-chose. Bonne passe. Putain, TJ McConnell est chaud. Hein. Good move. Il est venu de Détroit, non, Burks? Ouais, ça fait mal. Il fait la passe, wesh! Il va se faire plancher à cause de toi. Oh, je veux dire, wesh. 25-47, non, c'est bon, ils vont pas rattraper ça. C'est mort. 25-47. Oh, c'est dead. Good move. Good move. Kicks it out in the corner. Obi top in the corner three. That's the seventh three-pointer for the Pacers. Turner turns, shoots, knocks it down. Points for Turner. Turner, the longest tenured Pacer. Alec Burks gets in the paint, count it, and a foul. Nimhard drives inside, layup is good, banks it in. Halliburton open, sidestep, sets for three. Nesmith comes in with a rebound and puts it back up and in. Siakam battling with Josh. Hard shot is good. Halliburton looking. Spins, leans. Je pense que les Knicks, ouais, comme j'ai dit, je pense que les Knicks, ils vont pas gagner cette série. Et ça me fait mal parce que je pense que, enfin, ça me fait mal pour eux. Je m'en fous en vrai. Parce que c'est pas mon équipe, mais je pense que c'est la, c'est la série qu'ils auraient pu gagner, genre. Avec Bouygues Télécom, ne cherchez plus. C'est lui, le Wi-Fi numéro 1. Aucun doute, la rapidité du Wi-Fi numéro 1 est bien chez Bouygues Télécom. Je pense pas qu'il y ait une autre série qui peuvent gagner autant que celle-là. Bouygues Télécom. Parce que là, c'est compliqué, hein. Là, cette année, l'Est, c'est vraiment ouvert, genre. Genre, c'est vraiment ouvert. Ouh! Elle est insolente. Il a dit quoi? Il peut pas me garder? Je crois qu'il a dit ça. Hein. Faut voir, il a dit quoi? Can't guard me, boy! Je crois qu'il a dit ça. C'est qui ça? Nesmith? Ah, ok. Ah, ça y est, c'est fini là. 71-73. Ils vont pas rattraper, je pense pas. Ils ont mal commencé le match depuis le début du match. Après, quand tu commences mal le match comme ça, c'est soit tu fais un comeback, soit c'est mort. Et si c'est mort, c'est mort. Aïe. Il fait pas la passe, crevard. Fais la passe. Fais la passe, Siakam. Enfin, Halliburton, enfin on lui demande de scorer, il score. Enfin. Ah, Percy Sechiwa. Enfin, on lui demande de scorer, il score. Enfin. Il a compris. Enfin. Enfin, frère. Bon, vas-y, on va finir en 51-82. Juste voir. Ça a fini à combien? Ouais. Ouais, t'as même pas besoin de voir les stats, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien, même les stats, les gars. Honnêtement, ça sert à rien. Honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez voir, les gars? On regarde quoi? Regardez un contrat? Alors, non, on va regarder. Il y a un contrat que je voulais regarder en France. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. Aidez-moi dans le chat là. Ah ouais, Paris Playground, voilà.
Meilleur. One-on-one, GMA pour 100 euros. Partie 2. Attends. Ah, il y a la partie 1. Attendez, je vais voir. Meilleur 2v2, non. One one pour 500 euros, GMAP. Ok. Ok. Ouais, je crois qu'il y avait un mec. Il y a un mec qui faisait des trucs derrière leur background. C'est un fou, wesh. Toc 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 toc. Ok. Et à ma gauche. Ok les gars, le game c'est en 13 points. 2 et 3. En 13, bon courage. Ok, attendez, mais il s'agit de régler les trucs du chat. Ok, SS, je le connais, SS, SCK. Ouais, je défends pas là. Ouais, shoot ma gueule. Ouais, je défends pas, tu veux pas shooter. Ah, c'est gaze, les one one en dribble limité, c'est gaze, les gars, j'ai toujours dit. Dribble limité, ce sera toujours gaze. C'est un petit du check, c'est quoi, lui? Ok. Ah ouais, mais il défend vraiment pas, hein. Attends, on va passer au prochain one man les gars, parce que là c'est pas trop... J'ai envie de voir y'a qui va jouer quoi. Mamayo, ok, Mamayo contre qui? Joey Star contre Mamayo. Attendez, je remets. Je savais même pas que Mamayo jouait. Même qu'il a dit, Mamayo, tu joues? Généralement, il joue pas dans l'air contre un Mamayo. Après, les gars, faut savoir qu'il. Ouais, vous savez que Mamayo, il a plus de genoux, hein. Je sais pas si vous savez, hein. Enfin, il est vieux, il est pas vieux, frère. Il a plus de 40 ans, je crois, il a 42 ans, 43 ans. Et là, il est blessé au genou, donc. Je sais pas si vous remarquez quand il court. Quand il court, ça se voit qu'il a genre. Regardez. Je sais pas, il a un truc au genou en tout cas. C'est pour ça qu'il fait pas beaucoup de tout terrain et vous voyez pas tout le temps. Ou même. C'est un ancien genre. Easy, wesh, ouais, c'est easy. Il est en train de le tuer là. Let's go, Joey Star. Let's go, Joey Star! Ah, dommage. Ah, y a l'autre. Il y a The Process. Hey! Get out of here. Let's go, Joey Star! Wesh. Ah non, il est gaze, les gars. Les gars, il est gaze. Et les gaz, les gars. C'est son terrain, ouais, mais gars, ce soit ici, ce soit ou dans n'importe quel terrain, gars, je crois qu'il peut pas le battre. Hein. Vous pouvez jouer où vous voulez, gars, il va le laver. Oh! Ça glisse. Je sais pas là. Ça va en combien? Ça va en 13? Y'a game? Bravo, what, ma gueule. Bravo. Ok,
donc là on va directement au game 3. Sur ma droite, j'ai. Et à ma gauche. Ok les gars, game en 13, 2 et 3, quart de finale. Jouez bien, jouez intelligemment. Chifouille pour le shoot. Et comme ça on sait. Il a dit quoi, chifouille? C'est pas un mec de Paris lui, non? Chifouille, chifouille, c'est. C'est eux que vous dites chifouille. C'est à Paris, on dit Pierre Feuille-Ciseaux. Ok, lui il m'a l'air un peu. Mais pourquoi ça fait ça? Lui il m'a l'air un peu rapide. Elle fait des trucs bizarres. Hein. Non, le jeu, le game, il est bizarre. Attends, on va passer au quart de finale. On va pas se mentir là, c'est bizarre un peu. Il a dit qu'il doit aller au taf. Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, il y a Yanis Lakers. Ok, lui, j'ai. Lui, il joue souvent avec une caméra. Ouais, bah là, je pense qu'il joue encore avec la caméra sur lui. Ouais. Il joue toujours avec une. Avec une. Il joue toujours avec une GoPro sur lui, je sais pas quoi. Ah, ça fait mal, hein. Il joue avec une GoPro, frère. C'est relou un peu. Imagine, tu lui mets un coup d'épaule dans le torse, il y a une GoPro sur toi. Bonne défense. Mais gros, tu joues avec une GoPro, ma gueule. T'as pas le droit de te plaindre. Si on te fait des fautes, t'as pas le droit de te plaindre. Ça a l'avantage déjà, on peut pas te mettre coup d'épaule dans le torse, frère. Mais pourquoi ça bug de ouf comme ça la vidéo? C'est moi ou c'est. Après, elle dit pas de faute. Mais y'a pas les vrais mecs de Gmap là, les. Yanis, KDJ, tout ça. Ils sont pas là. Ça c'est pas les vrais joueurs. Enfin. Pour moi ça c'est pas les. À part mon maillot, sinon c'est pas les vrais joueurs de Gmap. Il a dit faut annoncer les portées. Ah c'est rien du tout, c'est le street mon gars. C'est le street ball, wesh, y'a pas de portée. Wesh, c'est quoi ce. Wesh. Oh les. Waouh, ils sont insolents là. Ils sont insolents, ils ont dit je vais envoyer au bled. Oh les bâtards. Ah. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah je suis mort. Il a dit la cruste du Xingguang. Et alors wesh. Pourquoi au bled? Mais il a raison frère. C'est des racistes, hein. Pourquoi au bled? Pourquoi tu dis qu'il va envoyer. Il est en France, non? Pourquoi tu dis qu'il va envoyer au bled? Parce que, soi-disant, pour toi, il a une tête de bledard. Mais pourquoi? Ah, voilà, il t'a posé une bonne question. Hein. Pourquoi t'as pas joué, toi? Qui parle beaucoup sur le côté. Pourquoi t'as pas joué? Ah non, non, le gars, il a bégayé pour répondre. C'est fini là? Comme une next, ok. Ouais, on va mettre un pouce bleu comme ils disent. On va mettre un peu de force. Ça n'aurait rien changé? De quoi? De quoi ça n'aurait rien changé? Ça s'emballe, mais au moins annoncer les portées quand même. Ça sent pétard. Pourquoi il pleure lui?